Oula, bonjour. Oh bah dis donc. Eh bah, par contre la carte. Ah, je suis là. Ah bah, eh. C'est fou ça. Une bien curieuse compagnie pour voyager dans ces montagnes. Kulmar, je pourrais te dire la même chose. Que fais-tu ici, loin des terres des Points d'Anel? Pas aussi loin que ça, Khelgar. Mais je doute que nous soyons ici pour les mêmes raisons. Et bah qui que c'est? Celui-ci, c'est Kulmar, l'un des meilleurs éclaireurs et combattants du clan Point d'Anel. Ce qui n'explique pas ce qu'il fait ici, d'ailleurs. Ça ne regarde que les membres du clan. Ah, Kulmar, ce sont mes amis. Enfin, la plupart le sont. Mais c'est quoi ce sang sur ton armure? Du sang orc? Nous explorons une ancienne demeure du clan Point d'Anel nichée dans ces montagnes pour voir s'il est possible de la reprendre. Il y a des gobelours qui en bloquent l'accès, mais ça ne durera pas. Des gobelours? Qu'attendons-nous? Allons les massacrer! On a la situation en main, Khelgar. Inutile de faire couler le sang des étrangers. C'est une affaire qui concerne les Points d'Anel. Mais non! Tous brûlent d'envie de se battre. Alors, qu'en dites-vous, les amis? On va nourrir les vautours avec de la viande de gobelours? Nous risquons déjà nos vies dans ces montagnes. Aller se taire en plus, voilà qui n'est pas très malin. Et au cas où certains auraient manqué certains cours, je rappelle le topo sur les vieilles demeures naines. On y trouve des pièges, des monstres qu'on aurait mieux fait de ne pas réveiller, et des tas de cadavres d'explorateurs. Inutile d'en rajouter. Quelle question! Tout ceci sonne comme une épopée qui ne demande qu'à être écrite. Grobnar Magnum et la libération du clan Point d'Anel, avec tous ses chefs-d'œuvre d'ingénierie. Un récit qui fera merveille dans les tavernes, qui plaira à tous, hommes, femmes et enfants. Qui est ce gnome? Un appât à flèche. Je t'expliquerai plus tard. Il est marrant, oui. Non, Nous on va les apprécions aider. le geste, mais ce genre de fausse courtoisie ne prend pas avec nous. Genre vraiment? Khelgar, reste donc avec tes amis. Nous ne demandons ni nécessitons d'aide. C'est une affaire interne au clan Point d'Anel. Je suis du clan Point d'Anel. Votre combat est le mien. Ce n'est pas ce que tu disais quand tu es parti, il y a longtemps déjà, pour suivre ta lubie. Tu veux apprendre à te battre, mais tu as oublié le pourquoi en route. L'honneur du clan, le devoir, ce sont des choses dont tu as méprisé la valeur. Si tu veux aider, sache que la porte est scellée à la façon du clan. Et si tu te rappelles la légende du roi Ludram, tu sauras comment l'ouvrir. Cette partie-là de l'histoire du clan doit être assez fraîche dans ton esprit, Casper. Que tu reviennes ou non, importe où peu, et je pense pouvoir parler au nom du clan. Eh bien, écoute... Très bien. Allons voir cette demeure clanique. En espérant y trouver quelque chose qui aura la bonne idée de nous attaquer. Alors reviens auprès de nous quand tu auras accompli quelque chose et non prononcé de vaines paroles. En attendant, nous n'avons pas grand chose à lui dire. Il faut que je reprenne quel gars? Bah non, bah ce groupe m'a l'air très bien. Non, Niche. À quoi tu attendais? Parce que j'ai une quête avec Nishka aussi, mais bon. On verra plus tard. Donc, j'ai une quête avec Khelgar. Alors, attendez, est-ce que l'humidité, exactement, l'épreuve d'humidité... Ah, c'est une quête optionnelle dans le personnage de Khelgar. Ah. Épreuve de l'humidité. Eh bien, écoutez, on va faire cette petite quête. Moi, je suis chaud. Je suis très chaud. Je ne sais pas vous. On se dévie un petit peu, certes, de notre... mission principale, mais moi je suis curieux. Je suis très très curieux. Puis bon, je sais que le jeu va prendre des heures et des heures. Je me charge de lui. Un gobelour. Alors par contre, la seule petite chose qui me fait un peu peur, en vrai, c'est c'est la difficulté en fait, c'est ça ce qui me fait peur. Dépêche-toi avec tes sorts. Je
là et... Ouais, c'est bien ce que je pensais. La difficulté en fait de ce genre de quête, c'est que ça va être très long. Et très très dur, mais on va quand même aller on va aller jusqu'au plus loin possible, c'est-à-dire jusque là, je pense, à peu près. Ça rapporte 23 d'XP. Ouais, c'est un peu complexe, quand même. Il est niveau combien, lui? Ouais, il me suit dans mon XP, d'accord, ok. Ok. Non, quelle gare, reviens. Des coffres, des trucs, des machins. Quelques piécettes, très bien. Je vais sauvegarder par-dessus, ici. Oula. Ouïe, un éclaireur en très mauvaise santé. Je regarde aussi un petit peu autour, s'il n'y a pas de piège ou d'ennemis. Un de mes frères abattu par les gobelours. Si Kulmar a raison, nous autres, Point d'Anel, nous ne pouvons nous permettre de perdre d'autres membres de notre clan. Si j'avais été à la tête de cette expédition, on ne se serait pas fait prendre par surprise par les gobelours. Ça, je te le garantis. Bien sûr que si. J'aurais pu combattre, mourir à ses côtés. Bah, il est mort au combat. Je déshonore sa mémoire en pleurnichant. Mes frères, arrête. Ah, il y a un gobelour avec une aïe. Aïe. Voilà qui était point prévu. Un autre nain. Notre pas marché comme prévu. Vous allez payer pour sa mort. Pour les points d'Anel. Évidemment. Kera. Kera, ma petite Kera. Occupe-toi de celui-là, toi. Utilise des sorts, s'il te plaît. Utilise des sorts, s'il te plaît, ma grande. Elle va pas utiliser de sorts, ouais. Bon, je le savais que c'était un piège et parce que c'est bien ce que je pensais. Non. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'était une quête un peu compliquée, donc on va pas la faire tout de suite. Je vais attendre d'avoir un meilleur niveau. Mais au moins je le saurai. Donc tant pis. Le but ce sera de faire cette quête quand j'aurai un niveau ou deux en plus. Et quand je me serai amélioré. Mais on a appris quelque chose. Bon. Retournons. Enfin, allons voir plutôt le clan des Briscrane. Le Gram, le seigneur Garius commence à perdre patience. Dans ces montagnes, c'est moi le maître, pas votre seigneur. Les orques règnent sur le fond et personne ne peut nous résister. Sauf les Grimantels. Vous êtes tenus en échec par des milices paysannes. Nous vous avons donné des armes, mais vous n'avez visiblement pas assez de force pour les employer. Nous avons capturé votre émissaire. Nous avons fourni à vos prêtres noirs tous les cadavres demandés. Mon lieutenant ici présent, Yesog, réunit les tribus pour mener un nouvel assaut contre les humains. Et nous perdons du temps à vous écouter. Logram, cette misérable tribu Grimantelle tombera sans l'aide de Garius et de ses maudits prêtres de l'ombre. Si vous échouez, Logram, Garius aura besoin d'autres sacrifices. Et le prochain cadavre donné au prêtre de l'ombre sera le vôtre. Vous osez me menacer ici, en terre orque? Garius et vos prêtres noirs ne me font pas peur. Parfait, car Garius m'a envoyé ici pour vous surveiller. Si vous n'arrivez pas à chasser les Grimantels du fond à l'effraie, nous exécuterons les ordres à votre place. Eh bien, il se passe des choses sympathiques. Les Verdansnaven existent vraiment dans le rêve de Tony. Ok. Oula, oulala, qu'est-ce que c'est que cette map? Un éboulement.
le repère du clan et une grotte. Ok, ok, je vois ce qui m'attend. Je vois ce qui m'attend et ça a pas l'air très 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 sympa. Et bah tiens, des orques. Je me charge de lui. Oula, des orques. Pas très sympa, dis donc. Je peux le faire. Oui, évidemment, je suis mort. Évidemment, je suis mort. Donc, je vais compter sur eux. Je vais compter sur quel gars ? Ah bah, comment ça se fait que je meurs à chaque fois, là ? Ah, il se change en loup. Hein. Non, mais vraiment, là ? C'est très très long ce qui se passe. Mais attaque-le. Oh là là, et c'est très très long ce qui se passe. Sachez-le. Je vous passe rapidement ce petit moment d'ennui parce que 2 minutes 30 de combat juste avec un arc et des flèches simples, c'est un peu long et pas très intéressant. Je vous avoue que c'était assez long. Donc j'ai réussi le combat là. C'est bon. Ah là, ah c'est ça en fait quand je réussis une phase de fight, mes amis sont là et revivent. Ok. Ok ok, très très bien. C'était très compliqué et un peu chiant tout ça. Mais ça m'énerve un petit peu, ça veut dire qu'il y a des ennemis un peu compliqués et que j'ai besoin d'un peu plus de stratégie. Oui, bon, un piège, ok. Une flasque, une sacoche et des haches de lancer qui seront pour quel gars en fait. C'est quel gars qui va tout lancer en fait. Moi j'en veux juste pas du tout. Hop, je remets un petit peu ça là. Ok. Est-ce que du coup mes XP a compté pour tous, normalement? Oui, l'XP a compté pour tout le monde. Ok. Ok, ok. Il y a peut-être des gens qui vont regarder ça, qui vont me dire, ah, tu sais pas jouer. Oh, bah écoutez, moi ça va, je le vis bien. Je vous le dis, je le vis très bien. Là, il y a un truc. Il y a forcément un truc. Ah, il y a un petit... il semblerait qu'il y a un petit passage là. Prenons garde. Bah tant pis. On oublie le prenons garde, je crois. Et ben bah, go le cancer du cul. Go le cancer du cul. Hein. Mais c'est vrai que j'ai une baguette moi. Ça va, il va tomber. Il va tomber dans un peu de temps, je pense. Les gars, s'il vous plaît. Voilà, il est tombé. Ah non, il est juste renversé. Pourquoi il... Ah ok, ça veut dire que je peux pas le tuer encore. Ok. Je peux pas le tuer. Y'a rien ici, ok. Comment je peux le... Ah si, il est battu. La vache, il était très résistant cet ogre. Il était très 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 résistant. Bon, j'ai pas pris énormément de dégâts. Ce qui est une très bonne chose, mais... du coup, est-ce que je peux regarder là, l'ogre partiellement dévoré ou c'est juste un combat comme ça que je peux... Enfin, c'est juste un truc comme ça. Hop. Non, c'est juste un truc comme ça. Ok. Ok, ok. Bon, bah, c'était un troll. On va aller examiner les... On va rien aller examiner, en fait, parce que je viens de voir des trucs qui me plaisent pas. On va aller... J'ai vu des combats. J'ai vu plein de combats. Donc attends, on va se foutre là. Ils sont 1, 2, 3, 4. Ils sont beaucoup. Ouais.
Ils sont un petit peu beaucoup. Donc, Kara, ce que tu vas faire, c'est. Là. À l'attaque ! Toi, tu restes. Voilà. Ça ne durera pas. D'accord. Et je vais continuer comme ça. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Au secours. J'ai encore. Je peux les utiliser encore une fois, ça. Ouais, et puis c'est tout ce que je peux faire. Non mais le feu. Le feu. Non, pas le feu, très bien. Ouais, elle est morte, très bien. Quel gars, bah go. Quelqu'un me protège! Entendu, c'est dans mes cordes. On a de la compagnie, on dirait. Que quelqu'un me protège! Prends ça! Prends ça! Que quelqu'un me protège! Que quelqu'un me protège! Que quelqu'un me protège! Prends ça! Prends ça! Que quelqu'un me protège. Allez. Quelqu'un me protège. Prends ça. Prends ça. Que quelqu'un me protège. Prends ça, c'est pas. Entendu. Prends ça. Que quelqu'un me protège. Prends ça. Prends ça. Ça va être très très long cette histoire. Ok, c'est inutile. Y a pas une potion, un truc, un machin. Non, bon. Je vais m'occuper de ces ennemis un par un, tant qu'ils sont occupés. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. Prends ça. Ah mince, il va peut-être crever. Oh, je vais peut-être mourir là. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. Ah mince, bon bah non, ça marche pas. Mais du coup, Kara, elle a... On va recharger tous les sorts, à mon avis. Voilà, faut juste que je recharge les sorts. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je peux le faire. Non, tu vas rien faire, frère. Voilà. Et là, vous pouvez les battre. On a vraiment qu'ils soient beaucoup, genre le fou. Voilà. Là, je m'occupe de tous les mecs qu'on fond. Et puis c'est bon. Encore un coup. Voilà, et là elle peut crever, hein, j'en ai rien à faire. Attends, hop là. Hop là, voilà. Et des petits sorts. Voilà. Ah, d'accord, c'est juste une attaque. Ok, je comprends mieux. Ok. Je commence à comprendre le personnage de Kara. Ou de plusieurs heures de jeu. C'est stupide, mais oui, je commence à comprendre comment elle fonctionne. Comment c'est déjà pour activer les livres de magie? C'est ah mince, j'ai perdu mon livre de magie. Voilà. CF. Alors du coup, ouais, j'utilisais les trucs les plus forts. Combustion. Ah ouais. Bah attends, combustion, je la prends. Non, elle est con. Elle est con. Faut que je garde les sorts rapides de Kara. Je sens que je vais m'amuser. Ah voilà, sort rapide. C'est quoi ça? Aucun. Sinon,
Aspersion et vêtements, je vais garder ça du coup. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, faut que je le réactive à chaque fois. Oh oui. Et lui, il a quoi en sort? Vêtements. Ah, il a du soin. T'as un soin superficiel, vraiment quoi? Oh là là, trop bien. Convocation, ok. Ok, ok. Suivez-moi. Il va falloir que j'utilise beaucoup ma touche F. Je vais découvrir la magie dans cette session. Oh putain. D'accord, je m'en charge. Ah, tout le monde est prêt. Merde. Voilà. C'est bon, il reste plus personne. Il reste plus personne. Bah, impeccable. Ça veut dire que je peux me faire avoir sur des embûches. Ok. Ok, très bien. Moi, j'accepte. Hein. Je prends. Ah, résistance. Ça veut dire qu'il y en a encore un. Ça veut dire qu'il y en a encore quatre, même. Voilà, Kara, vas-y. Explose tout. Explose tout, Kara. Hein. C'est quoi? Combustion même. Ah non, c'est bon, ils sont morts. Ok, bon, bah, tant mieux, bravo Kara. Par contre, le seul petit problème de cette technique, c'est que il va falloir se recharger tout le temps. Mais bon, why not? Et je comprends le jeu, je vous assure. Vous en faites pas, ça va le faire. Alors, du coup, il y a un éboulement qui s'est produit juste là. Il va falloir qu'on contourne. Pour déblayer tout ça, il faudrait une semaine à une équipe de terrassiers nains. Ce tas de rochers n'attend qu'une chose, une bonne boule de feu. Une détonation suffisante enverrait tout ça valser. Mais je ne dispose pas encore d'un tel pouvoir. Ouais, ouais, bien sûr. J'aurais bien aimé voir le spectacle. Visiblement, il est impossible de le franchir. À moins d'enlever tout ça morceau par morceau, ce qui prendrait un an, ou de tout faire sauter. Ouais, ok les gars. C'est à dire que si Kara était un peu plus haut niveau, j'aurais pu le faire sauter. Oh, intéressant. Ah, merci, excusez-moi. Non mais attaque Kara. Ah, sort interrompu. Aïe aïe aïe, la concentration est un échec. La concentration est un échec, tout est un échec chez Kara. Parfait. Allez, le sort. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf ce qui se passe. Allez, il reste encore lui là-bas. Donc, ouais, il y a des attaques tout partout, plein partout. Ok, bon. Ok, ok, bah ça va être très compliqué tout ça. Cette zone va être très 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 compliquée. Du coup, je vais faire comment? Je vais explorer par là? Oui, je vais explorer par là.